Enzo, est-ce que tu pourrais m'aider? Ah bon, faire quoi? Tu vois ma grand-mère, celle qui est juste ici, là. Ouais, la manche là. Ouais, je vois. Mon Dieu. D'ailleurs, elle te fait pas un peu peur? Mon ciel, terrifiante, en plus son œil là. Oh là là. C'est vrai qu'elle est super terrifiante, et aujourd'hui, je voudrais me transformer en elle pour aller faire peur à des gens. Ouah, mais t'as vrillé dans ton cerveau, toi. Pourquoi et d'où ça sort? Bah non, j'ai pas du tout vrillé, j'ai juste envie de te faire un prank. Un prank. Bah ouais. D'accord, bah tu vas faire un prank. À qui? Hein, dis-moi. Hein, tu veux te reliquer avec la folle là. Tu veux qui? Bah je sais pas, on peut aller troll peut-être la Pat' Patrouille. Pourquoi? Bah c'est juste pour lui faire peur, c'est juste une petite blague quoi. D'accord, bah et si tu veux. Du coup, sur le chemin, t'as bien récupéré l'ADN, hein? Ah, l'ADN de ma mamie? Ouais, quand on l'a remis en petit. Alors non, pas du tout, j'ai pas du tout l'ADN. Si tu veux, je peux aller la récupérer. Ah ouais, super, va aller la chercher. Mais là, tu vas prendre, si tu veux la transformer en elle, faut que tu prennes une pince à épiler et que tu prends un poil de son visage. Un poil de son visage, mais depuis quand les gens ils ont des poils sur le visage? Bah tout le monde, même toi. Hein. Bah oui, moi je suis un mec, c'est normal que j'en ai, mais elle, c'est une mamie, c'est une fille, elle a pas de poils sur le visage. Si. Ah d'accord, bon bah je vais aller voir ça, mais c'est quand même super étrange. Aussi arrache une dent là. Voilà, tu vois une des C'est gros Chico taches. dégueulasse là? Ouais, c'est ça. Et bah prends un petit bout. Ah oui d'accord. D'ailleurs les amis, si vous voulez pas avoir les mêmes Chico dans l'avenir, bah likez cette vidéo et comme ça vous aurez des beaux Chico. Allez, c'est parti les amis, j'y... Allez, vas-y, va travailler là. Vas-y, va travailler comme un vrai être humain. Oui, bon, je vais aller chercher ce qu'il nous faut, donc un ADN de ma mamie, et je crois qu'il va falloir également une dent. Ok, bon bah, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite voiture? Est-ce qu'il y a de l'essence dessus? Ok, parfait, il y a de l'essence, donc je vais pouvoir la conduire et y aller jusqu'à chez ma grand-mère. Allez, c'est parti, donc normalement, elle habite toujours ici, hein. J'espère que ça n'a pas bougé. Hop, on tourne et on va s'arrêter juste ici. Hop, par contre, on va bien... positionner le véhicule au cas où si je me fais attaquer. Alors, je crois que la maison de ma mamie, c'est juste ici. Ah, regardez, c'est juste ici. Oh, par contre, quand même, c'est quand même hardcore de mettre une photo devant, hein. Ça donne pas envie de rentrer à l'intérieur. Alors, comment je vais bien faire pour rentrer? Je crois que je vais essayer de passer par le jardin. Normalement, le jardin, il est sûrement ouvert. Hop, on va aller voir. Bon bah le jardin aussi il est fermé. Je sais... Ah si attendez, je crois que par ici je peux passer. Ok super, nickel. Bon, maintenant que je suis rentré, on va voir ce que fait ma grand-mère. Où est-ce qu'elle est? Oh, elle est juste ici. Il est l'heure de dîner! Alors dis-moi, petite poupée, statue magnifique, est-ce que t'as envie de manger quelque chose? Bon les amis, comme vous avez pu le voir, je suis actuellement caché. J'essaie de pas me faire remarquer. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est super stylé. Elle a une belle statue. Oh, oh ouais, elle est vraiment trop belle, hein. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à mettre une petite note de cette statue dans l'espace commentaire. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? J'ai très faim! Je peux même trouver un truc à manger. Alors, oh, du bon humain. Elle est toujours en train de manger des humains. Par contre, il va falloir que je me cache bien. Hop, je vais me cacher ici. Super. Les squelettes, c'est pas bon, il me faut de la chair. Alors, où est-ce que je peux en trouver? Bon. Bon bah attendez, on va la suivre. Je crois qu'elle doit sûrement avoir un stock d'humains. Et sûrement ces humains, ça doit être des non-abonnés. Allons la suivre. Hop. Abonnés que j'ai pas encore mangé. Alors bon bah il doit manquer, je vais aller en chercher juste après des noms abonnés. Donc il faut vite qu'ils s'abonnent à la chaîne s'ils veulent pas que je les mange. Putain, je vais faire une petite sieste et quand je vais me réveiller je vais aller les manger. Oh, je vais Oh! dormir un Les peu. amis, vous avez vu? Vous avez entendu ma grand-mère? Si vous ne voulez pas vous faire manger par ma mamie, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche des notifications. Bon, à présent, je crois qu'elle est partie dans son lit. Elle est sûrement allée dormir. Regardez, je crois qu'elle est en train de se positionner dans son lit. On va attendre qu'elle commence à ronfler et une fois qu'elle commence à ronfler, on va rentrer dans la chambre pour récupérer son ADN. Allez. Ok, on l'entend ronfler comme un gros porc. Allez, c'est parti. Ok, parfait.
J'ai réussi à récupérer un bout de son cheveu. Ok. Bon. À présent, je suis sorti, les amis. On va pouvoir... Alors, attendez. Je crois que c'est par ici. Ok, super. On va pouvoir retourner dans le laboratoire. Et ainsi, on aura notre potion pour que je puisse me transformer en ma mamie. Par contre, alors, attendez. C'était bien ici, l'entrée. Et mon karting est juste ici. Allez, c'est parti, je récupère le petit kart et let's go! Direction le laboratoire. J'ai hâte d'aller prank Chase ou Ryder. Hein. On verra en fonction des personnes qu'il y a à la tour. C'est parti, je crois que c'était juste ici. Ouais, alors c'est juste là. Ok, super, nickel. J'espère que Enzo a fait le reste. Où est-ce qu'il est, Enzo? Ah, il est là, regardez, il est juste ici. Enzo! Je suis de retour. Je tape sur le clavier tout de suite. Alors, transformation en maman. Ok, je vois. Ok. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je travaille. Tu me laisses travailler, hein? Mais alors, t'as commencé à créer la potion ou pas? Justement, elle est en fabrication. Et j'ai presque fini. Il manquait juste l'ingrédient final. C'était un petit cheveu. Voilà son cheveu blanc. Ouh. Mon dieu, ah oui, c'est la vieillesse, ça atteint des choses, hein. Bah, alors... normal, tu sais que quand toi tu seras vieux, tu auras des cheveux blancs aussi. Récupère un cheveu ou un poil de son visage? Bah oui, c'était un poil de son visage, quoi. Ah, oui. J'espère que tu t'es pas trop... Si on met ça sur le truc, voilà. Est-ce que j'arrive bien à le mettre? Non. Comme ça. C'est bon. Ouf. Ah oui, donc après, tu mets un entonnoir juste au-dessus de tes potions? Oui. En fait, c'est un peu spécial la technique, du coup, voilà. D'accord, faut ok. Pas que ça... Faut pas déranger. Bon, bah t'inquiète, je te laisse faire. Je laisse faire le professionnel, hein. Je dérange pas le professionnel. Le clavier, Donc, d'après la loi, ok. Donc, logiquement, la potion te permettrait de te transformer en mamie. C'est bon? Oui, alors la potion risque, quand tu vas la boire, de te faire un tout petit peu mal. Un tout petit peu mal, non, je veux une potion qui me fait pas mal quand même. Non, mais quand tu vas la boire, elle va te faire mal, mais t'inquiète, après ça sera particulier. Donc je te laisse, tiens, voilà, tac, avec tous les ingrédients, voilà, ouais. Je te laisse entrer. Ouais. Je ferme de l'autre côté en cas où s'il y a un problème, si ça fait un cône maléfique, mais ça risque pas, bah non, ou peut-être pas. Voilà, tac, tu vas boire cette potion, tu vas aller derrière l'ordinateur. Ouais. Ok, voilà. Je suis derrière les ordi. Ah, je te vois, vas-y, si tu sautes, logiquement, je devrais te voir bouger. Ok. Ah oui, là, on voit la matière grasse dans son ventre, mon dieu. C'est pas gentil. Bon, allez, c'est parti, les amis, je vais boire la potion et on va se transformer en ma mamie. Les amis, je crois... What? Attendez, je vais sortir pour voir ce que ça donne. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Alors, est-ce que, logiquement, ça a bien marché? Ouvre-moi, attends. Oula. What? Ok, je me suis transformé en ma grand-mère, mais attends, mais j'ai perdu toutes mes couleurs! Bah, alors ça, c'est pas mon problème. Non, mais voilà. T'es sérieux ou quoi? Regarde, j'ai aucune couleur! Comment ça se fait? Par contre, elle est terrifiante, même en noir et blanc, et même en noir et en blanc, elle est flippante. Hein. Bah, déjà, c'est mieux puisque j'ai pas du tout de sang sur moi, mais Enzo, fait quelque chose, mets-moi des couleurs, colorie-moi! Bah, je peux pas, oh, c'est pas ma faute! Bah, je sais pas, prends des feutres, il fait du coloriage! Mais t'es malade, mais t'es au courant que c'est un risque sans précédent? Bah, moi je fais comment du coup? Mais en fait, dans le truc chauve que tu m'as donné, il est tout en blanc, du coup t'es tout en blanc. Oui, ok, et du coup, bah, oh je sais ce que je peux faire, je vais récupérer des couleurs et tu me les mets sur oui, moi. Oui, justement, c'est ce que je savais te dire, va récupérer des fleurs pour les transformer en colorants. Ok, donc vas-y. Il me faut du rouge, du noir, du rouge, du bleu, du violet. Ok, bah vas-y, viens avec moi, comme ça, si on cherche à deux, ça sera beaucoup plus simple. Ok, vas-y, enlève ça. On n'a pas besoin de jaune. Bah déjà, on a du rouge. Ça, c'est bien, ça, du rouge. Là, il y a du rouge, super. Hop, nickel, j'ai du rouge. Ensuite, ouais, t'avais dit du violet, c'est ça? Ouais, du bleu. Ouais, plutôt du... Alors, pourquoi du bleu? Ma grand-mère, elle a pas de bleu sur elle. Et à des endroits où je peux pas te le dire, mais à des endroits spéciaux. Ok, bon bah je vais récupérer uniquement ce que tu me demandes. Alors ça, c'est du violet, par contre des fleurs bleues. Ah ça c'est bien, la pivoine c'est bien. Ah ça, de l'allium, nickel. T'as des fleurs bleues ou pas? Ouais, j'ai récupéré ça c'est bien ça. Ok bon bah parfait, alors on a tout ce qu'il nous faut. Bah du bleu, on a notre colorant. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, vas-y viens.
Vas-y, go. Hop, comme ça tu vas mettre le colorant et tu me le mets sur moi. Et comme ça je vais aller faire peur du coup à Chase ou Ryder. Ok, bah comme tu veux. Veux. Y a ma grand-mère, viens vite, Faut vite, 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 vite. pas que tu voyes, faut pas que tu Ouais, voyes. faut pas qu'elle me voie. Donc on va vite descendre, c'est parti. Ok, ouais, ok, c'est bon. Pourquoi tu es fermé comme ça? Je sais pas, mais heureusement qu'elle nous a pas vus. Allez, Ouais. bon, vas-y, remets-toi ici et je te passe les trucs. Hop. Vas-y, donne-moi, j'ai, voilà. Et vas-y, Ok, bah je rentre repasse arrière. derrière. Allez, c'est Hein? parti, les amis. Cette fois-ci, je ressors en couleur. Oh, regardez, les amis, je crois que Oh à présent, j'ai là de la là! couleur. Hop, je Mon vais mourir. Dieu! Oh, t'as réussi, Enzo, regarde! Oh, mon Dieu, elle est terrifiante. Tu fais pourquoi ça? Ah! T'as eu peur? Non, pas du tout, car c'est toi. Du coup, t'es cringe. Point. Ouais. Alors? Ouais. Bon, bah, du coup, je vais aller faire peur à quelqu'un, ok? Oui, sauf que le truc que je t'ai pas dit, c'est que vu que c'est une vieille personne, il se peut que t'as les mobilités réduites. Bah, comment ça, les mobilés? Bah En gros, non. que t'as les mal de dos, que quand tu marches, ça te fait mal, et du coup, que tu risques de marcher un peu plus doucement. Oh non, tu vas pas me dire que je peux être aussi un malentendant et tout quoi. Non, heureusement, j'ai pu t'enlever ça. Mais niveau, quand tu bouges, ça, j'ai pas pu modifier. Bon bah je vais faire avec ce que je peux, hein, voilà, on fait avec les moyens du Ok. bord. Ok, D'accord, bon, vas-y. bon bah merci Enzo. Du coup tu restes ici, sinon ça va être cramé, ok? Y a quoi là, mon Dieu? À moins que si tu veux, tu peux venir et tu mets un casque. Ouais, mets quelque chose, mets quelque chose. Ah ouais! Oh! Alors. Ou sinon, ça te dit que toi aussi tu te transformes en ma mamie? Comme ça, on fait Oh peur à deux. non, 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 non. Ok, bah Moi vas-y, j'ai une idée, regarde. juste mets une cagoule, mets un truc comme ça, on va faire peur à Mais Chase. attends, regarde. Moi je t'ai dit ouais, que Quoi? dans le milieu, je suis très caché dans la vie. Tu vas faire quoi? Voilà. Ah oui, d'accord, tu te mets en mode fantôme. Ouais, c'est ça. Oh, Ok. je vole, oui! Bon bah allez c'est parti les amis, let's go. Et du coup j'espère ne pas tomber sur ma C'est quoi grand-mère. ça là? Oula, je crois qu'il y a ma grand-mère qui est juste là. Quoi Coucou. lui ressemble? Elle est trop stylée. Elle est vraiment belle, cette personne. Bah en fait, dis-toi que t'es devant un miroir, c'est pour ça que tu te vois en fait. Ah, ok, mais pourquoi le miroir il Bah parce qu'en fait je suis une parle? intelligence artificielle. Ah, t'es un miroir intelligence artificielle. Exactement, espèce de mouton. Pourquoi toi tu bégayes pas alors si c'était comme moi? Bah parce que je suis Ça veut une dire que intelligence t'es. artificielle, je Ça suis veut dire que t'es un une autre personne, ordinateur. ça veut dire que je dois te tuer. Oula, j'ai entendu tuer. Ah vite, vite, Venzo, vite, 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 Alors, viens, ça est-ce y que est. tu bégayes ou pas? Oui, bah là pour le coup, là je bégaye un peu. Attendez, les amis, je vais récupérer tout de suite mon carte. Il est où mon carte? Aïe, c'est qui me tire dessus là? C'est qui me tire dessus? Bon, les amis, et vous C'est savez quoi? Je vais me moi! réfugier chez moi. Hop, je vais me réfugier chez moi, c'est parti. Hop. Allez, je me cache à l'intérieur. Ok, c'est bon là, arrête de me suivre. Ok, super, me voilà là. Oh, mais regardez les amis! Il y a Chase devant ma télé et regardez ce qu'il est en train de regarder! Oh, il est en train de regarder ma chaîne et il est déjà abonné! Oh, trop bien! Mais c'est pas pour autant que, les amis, je vais pas lui faire peur. Bon, c'est parti les amis, let's go! Coucou Chase! Chase, non. Chase, tu vas rester ici. Non, non, mais attends, c'est quoi si tu sors de la maison, je te mange. Tu es tout seul dans la maison, Chase? Pourquoi y a un monsieur de Tardo? C'est Tais-toi, un fantôme. tais-toi, tais-toi, dis rien. Ouais, fantôme, fantôme, fantôme. Bon, du coup, Chase. Du coup, dis-moi pourquoi tu es tout seul dans la maison de mon petit-fils? Bah parce que je regarde les nombres d'abonnés, qui est abonné et qui est pas abonné, car t'es bientôt aux 400 000 abonnés. Ah oui, aux 450 000! Non, 400 000. Non, 450 000! 400 000. Bah non, tu sais pas compter ou quoi? Regarde, viens voir. Il y a marqué 4, 3, 6 et pas 4, 0, 0. Non, j'écris 6, 3, 4. Bon, les amis, je crois que Chase, il sait vraiment pas compter, décidément. D'ailleurs, il faudrait lui faire un petit cours. Bon, tu sais quoi, Chase? Tu vas t'asseoir ici tout de suite et on va te faire un cours. Voilà. Ok. Bon, du coup, Chase. Alors,
Le premier chiffre qui est affiché ici, c'est un 4, d'accord? Non, c'est un 6. Non, un 4. 6. Dis 4 oh, ou je te tue? Oh, le débile, je te dis c'est un 4, donc tu écoutes, t'as compris? Oh. C'est qui a sonné? Je sais pas, mais dis 4. Oula. Lui, dis. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est pour les pizzas! Ah oui, j'en avais acheté. Passe ta pizza et barre-toi d'ici. Jette la pizza. C'est moi qui avais acheté. Allez, c'est les pizzas. Allez, pars. Merci. Allez, pars-toi. Voilà, c'est ça. Et mon argent. Non, t'as pas d'argent. Allez, dégage. Ah dégage. Voilà. Mais tiens, Jean. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas cool, ça. C'était mon pote. J'avais chez moi qui avait acheté les pizzas. Bah, on a, c'est pas cool. On a de la nourriture gratuite. Ouais, quand on est riche qui gagne au loto tous les jours, moi je dis pas ça. Riche. Bon, Tu l'as dit l'un à l'autre. Est-ce que c'est l'heure d'aller annoncer à Chase que c'était un prank? Parce que là, oh non, on lui dira jamais, on lui dit jamais, comme ça il aura toujours peur. Mais non, mais justement, il a super peur et il risque d'être bien terrifié, tu vois. Et alors, c'est quoi le problème? Bah, imagine, je sais pas, il fait un arrêt cardiaque ou un truc dans le genre. C'est pas grave. Non, vaut mieux lui dire que c'est moi. Allez, pousse-toi de là, hop. Chase! Oh, je suis le fantôme, va-t'en! Chase, on doit dire un truc. Oui, qu'est-ce qu'il y a ou quoi? T'es sûr que t'as pas remarqué quelque chose? T'es juste la grand-mère de l'autre, là, de l'autre clochard. Oula, tu parles de qui? De ton fils, là. Attends, t'es en train de dire que Zutinan, c'est un clochard, c'est ça? Non. Alors, regarde-moi bien dans les yeux, regarde ce qui va se passer. Et tada! Ouais! Ça bégaye maintenant, hein! Pourquoi il y a un fantôme derrière toi? Bah, c'était Enzo depuis le début! C'est moi qui. En fait, je me faisais passer pour ma mamie! Ah, c'est pour ça que t'étais en mamie là! Mais avec oui! L'autre machin. Et du coup, t'as eu peur ou pas en fait? Parce que j'ai l'impression que. J'allais faire un arrêt cardiaque, mais ça va, j'ai déjà retenu. Ok, bon, bah, heureusement qu'on te l'a dit, hein. Sinon, pourquoi t'as balance? Moi, je voulais pas qu'ils sachent que c'est moi. Tais-toi et remets-toi en normal, toi.